Alors mes amis, aujourd'hui, grosse question. Comment convaincre Hachem de nous donner ce qu'on lui demande? Comment convaincre Hachem de nous donner ce qu'on lui demande? Nos sages, ils nous donnent la formule, mes amis, écoutez bien. Léolam yé Adam modé ala avar. Un homme devra toujours être reconnaissant pour le passé. Ou mevakesh ala atind, et il devra demander pour le futur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? T'habites dans un 3 pièces, avec 5 enfants. Ouais, t'en peux plus. Cet appartement, il te sort par les yeux. Ok. Avant de demander le 5 pièces, donc avant de demander plus grand, Léodot al Ahavar, ils nous disent, nos sages, remercie Hachem pour le 3 pièces que tu as déjà. Merci Hachem pour mon petit 3 pièces. Parce que mes amis, même le 3 pièces, c'est un cadeau. Même le 3 pièces, c'est un cadeau. Hachem, j'en peux plus de cet appartement, j'en peux plus, je peux plus vivre comme ça. Non. Non, parce que mes amis, pour que Hachem nous donne ce qu'on lui demande, Hachem, il attend qu'on transforme nos plaintes en remerciements. Nos plaintes en remerciements. Mes amis, celui qui fait ça, celui qui arrive à remercier Hachem pour ce qu'il a déjà, Hachem, il veut donner à une personne comme ça. Hachem, il veut lui donner à lui. C'est la parole de nos sages que je suis en train de vous dire maintenant. C'est pas moi qui le dis, c'est nos sages qui le disent. Parce qu'entre nous, mes amis, c'est un problème pour le roi du monde de te faire passer du 3 aux 5 pièces. Ouais, est-ce que c'est un problème? Hachem, il veut nous donner. Hachem, il veut nous rajouter. Seulement, Hachem, il veut voir. Est-ce qu'on accepte avec joie ce qu'on a déjà? Modé à l'avar, merci Hachem pour ce que tu m'as déjà donné. Mes amis, il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre ça. Il ne peut pas y avoir de demande sans remerciement avant. Impossible. Et c'est comme ça que le Shulchan Aruch, il tranche la loi. C'est comme ça que la loi, elle est tranchée. Tu ne peux pas demander si tu n'as pas remercié avant. C'est la halakha. C'est comme ça qu'on doit prier. Maintenant, toi, tu rêves de t'acheter la dernière Tesla. Oui, dernière Tesla, truc 100% électrique. T'en rêves. Quand tu montes dans ta Clio de 2015, avec la clim qui marche une fois sur 10, ouais, avant de démarrer, prends 10 secondes, et chante. Kamatov Hachem, Kamatov Hachem, comme t'es bon Hachem, comme t'es bon Hachem. Toda Rabba Lecha, Hachem Idbarach. Merci, merci Hachem pour la Clio de 2015 que tu m'as donnée. La Tesla, elle va descendre du ciel, baba, sur un plateau d'argent, tu vas même pas la voir venir. Tu vas même pas la voir venir. C'est marqué noir sur blanc ce que je suis en train de vous dire. C'est marqué noir sur blanc ce que je suis en train de vous dire. Baruch Hashem, t'as deux enfants à la maison. T'as deux enfants à la maison, le troisième, il vient pas. Il vient pas. Tu gagnes 3000 euros, ça te suffit pas. Hashem, il attend qu'on lui demande. Hashem, il attend qu'on lui demande. Hashem, il y a rien de colère. Fais-moi écouter ta voix, demande-moi. Mais il y a quelque chose, mes amis, ça faut bien comprendre aujourd'hui. Que Hashem, il attend encore plus que notre prière. Merci Hachem pour ce que j'ai. Hachem, il attend qu'on ouvre les yeux sur ce qu'on a déjà. Merci Hachem pour les deux enfants en bonne santé que tu m'as déjà donnés. Merci Hachem pour les 3000 euros que tu me donnes tous les mois. Hachem, tu me dois rien. Tu me dois rien et tu me donnes tellement. Mes amis, ça faut comprendre que c'est des mots. C'est des mots qui peuvent changer toute la donne. Omevakesh ala atid. Maintenant que tu as remercié, maintenant que tu as tapé des mains, maintenant que tu as chanté, maintenant que tu as pris conscience de tout ce que Hachem t'a déjà donné, Mevakesh Latid, maintenant, tu peux demander. À bientôt.